Et bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va nickel, nous sommes en compagnie de ma petite sœur. Bonjour tout le monde. Donc voilà, on est dans mon jardin, faire une vidéo découverte sur la perruche à collier. Donc la perruche à collier est de la famille des Psittacidae. Voilà comment ça s'écrit. Alors l'espèce c'est Psittacula crameri. La longueur est de 38 à 42 cm. L'habitat, c'est les zones urbaines très boisées. Go. 3, un paquet, un trou. Ouais, bon, elle n'a pas réussi à le dire, c'est trop compliqué. Alors, il y a 3 à 4 œufs par couvée. Donc, je pense que ça est quand même pas mal. Alors, sa répartition, bon bah voilà quoi, elle est pas énormément là. Je vais vous lire ça là, la répartition et l'abri idéal. Donc, la répartition, introduite en Europe depuis l'Asie, les aires urbaines de France, de Grande-Bretagne et d'Allemagne. Donc là, c'est où elle était. Et l'abri idéal. La perruche à collier apprécie les grands arbres matures où elle trouve des cavités pour son nid et des fruits et des graines pour se nourrir. Donc voilà. Je sais pas si ça s'adopte. Et du coup, ça c'était une petite, vraiment petite vidéo. Sur la perruche à collier. Donc je savais pas que, enfin voilà, c'est ma petite soeur qui a choisi cet oiseau. Du coup voilà, j'aurais jamais pensé à faire une vidéo dessus, mais ça a pris des trucs en main. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la perruche à collier vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout abonnez-vous. Bye bye.